Mademoiselle! Obligez-moi, mon cher Lanyon, et sauvez votre ami Harry Jekyll. Alors, comment on était? Qu'est-ce que vous voulez? Je comprends pas là. Oh, excusez-moi. Je fais partie d'une troupe théâtrale. Alors, je répète. Demain, c'est la première, excusez-moi. Martini ou whisky? Non, rien, en fait. En fait? Des en fait? Écoutez, si c'est de la cam que vous voulez fourguer, vous êtes trompé d'adresse, ok? Alors vous feriez mieux de prendre la sortie, sinon j'appelle la police. Non, non, je disais en fait, et là vous m'avez coupé, je voulais dire en fait, je viens rapporter ceci. Vous savez à qui ça pourrait appartenir? Le porte-carte de ma petite amie. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Elle l'a perdue dans la rue cet après-midi, elle était si pressée. Lucie? Elle était avec vous cet après-midi? Oui, non, mais c'est pas ce que vous croyez. Hein. Je sortais du travail et elle m'a bousculé, voilà tout. Ah, je vois. Excusez-moi, la jalousie me met dans un état second. C'est une véritable maladie. En tout cas, Dieu vous bénisse, c'est Lucie qui va être contente. Ouais, de nos jours, il n'y a plus vraiment de gens honnêtes. C'est rien. Bon, eh bien, je m'en vais. Attendez, je vous offre un verre. Non, merci. Hé, hey, l'ami, je vous préviens, vous allez me vexer. Et si je suis vexé, je deviens très méchant. Dans ce cas... Bon. Je lui donne un petit coup de fil. Et je vous prépare un petit cocktail maison. Attendez pour une minute. Tenez. Je vais m'en dire des nouvelles. Goûtez-moi ça. Vous êtes un connaisseur. Sachez que la beauté est un luxe éphémère. Rendez-vous digne de cette messaline. Elle vous le rendra en centuple. Et moi, en direct à la côte. Tu veux que je t'arrange le tout? Elle est belle, c'est vrai, mais... Vraiment, il faut que j'y aille. Quoi? Tu m'en crois pas capable? Si, je ne mets pas en doute vos capacités, mais il faut que je parte. Oh, dis tout de suite que tu vas me vexer. Bouge pas, je vais t'arranger le coup. Non, laisse mais... faire, l'ami, attends. Non. T'as du feu? Du feu? Oui.
t'as envie de me connaître. Je m'appelle Carlotta. Pardon. Alfred. Qu'est-ce que tu fais là? C'est insensé. Puis cette fille, c'est pas ton genre, hein? C'est laid. Comment le trouves-tu? C'est comment? Oui, c'est bon. Je parlais du tableau. Je l'ai appelé Accord parfait. C'est... Comment dire... Spécial, il y a quelque chose. Merci. C'est Biram qui m'a inspiré. Tu connais Biram? C'est un peintre birman contemporain qui a su concilier une vision excentrique surréaliste et ses fantasmes les plus intimes. Oui. Mais... Qui êtes-vous? Allez, je suis désolée. Dans la rue ce matin, c'était vous, n'est-ce pas? C'est vous qui m'avez bousculé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Carlotta? Le barman, c'est votre mari. Sur la photo, c'était vous, Lucie. Vous êtes Lucie. Attends, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Quand je pense que j'ai écouté... Tordu avec ses manières de comédien manqué, je suis bien trop con. C'est quoi votre truc? Il prend peut-être son pied à nous observer derrière un de ses tableaux? Non. Il m'oblige à faire ça. Il vous oblige à faire quoi? La pute, c'est ça que vous voulez me faire avaler? Non. Écoutez, restons-en là, vous voulez bien? Je vais partir maintenant. Franchir cette porte et oublier cette soirée. Tout ce que je voulais, moi, c'était rendre service, ok? Voilà, au revoir. Non! Séchez vos larmes. Ça va mieux? Oui. Oui. Vous voulez un petit café? D'accord. Vous savez, tout à l'heure, je ne pensais pas ce que je vous ai dit. Hein.
Vous avez des problèmes? Non. Non? Enfin, si, mais... c'est pas vos oignons. Vous voulez me raconter? Tu veux? Non. Si, allez-y. Après tout, j'ai tout mon temps ce soir. Je suis disponible pour vous écouter. Oui, c'est vrai. Ah oui. C'est mon mari. Le barman. On est séparés et... j'ai demandé le divorce parce qu'il me frappait. Il m'a frappé dès le premier jour de notre mariage. J'ai demandé le divorce sur les conseils d'une amie. Mais la justice est formelle. Il n'y a jamais eu de témoin. Et il ne veut pas en entendre parler, c'est ça? Hein? À divorcer? C'est un violent et détraqué, tu comprends? Regarde ce qu'il m'a fait la semaine dernière. Mais... il est rentré chez moi par effraction. Il me suit constamment. Mais... je ne comprends pas que... au bar ce matin... tout à l'heure... que faisiez-vous avec lui si... ben... il me force à faire ça. Oui. Il m'a obligé à t'aborder. Tu n'es pas le premier. Ça l'excite. Il vous oblige, mais vous êtes libre, vous pouvez... Je ne peux pas refuser. Pourquoi? Il tient... il tient mon petit Jimmy. C'est mon fils. Il a 4 ans. Vous voulez dire qu'il a kidnappé votre... Il me fait du chantage. Il m'oblige à me montrer en public avec d'autres hommes pour avoir la garde du petit et obtenir que l'on pense de moi que je suis une mère indigne. Vraiment... je vais vous aider. Il y a sûrement un moyen de... des lois. Il faut porter plainte. J'irai avec vous si vous voulez. Chut! Mais s'il t'entendait, il serait capable de... T'es gentil, toi. Reste ce soir. Non, s'il te plaît. Pardon, j'ai cru que... Alfred? Alfred? Alfred?